Reconnus pour leur méchanceté. Reconnus pour leur révolte contre la parole. Reconnus pour leur rébellion face à Dieu. Dans le livre d'Éphésiens, il est dit dans au chapitre 2. Vous étiez morts par vos offenses. Dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le prince de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Amen. Amen. On a entendu parler des deux naissances. La naissance naturelle et la naissance spirituelle. Et Mbotama Yamolimo. Regardez qu'il est parlé des fils de la rébellion. Lorsque pendant le millénium, Satan sera lié. Satana akolingama. Comme il est écrit au chapitre. Une grande chaîne dans sa main, il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il y a pour 1000 ans, et il le jeta dans l'abîme. Vous savez, pendant le millénium, garderont leur vieille nature, ils continueront à pécher, mais la rébellion contre Dieu cessera. Parce que Satan sera lié. Une chose, c'est d'un homme qui a des manquements. Et quand il sera lié pendant les 1000 ans, dans l'écriture, il est dit, c'est dans Esaïe. Et si comme on a ma comme le bas, mais la cantine à Isaïe. Esaïe 65, là il est dit au verset 20, il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leurs jours, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Donc vous voyez que pendant les milléniums, les pécheurs seront encore là. Les hommes ne seront plus rebelles. L'esprit de Satan, nous parlons de Satan, cet esprit qui agit maintenant, selon Éphésiens 2, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, par nature,
Nous étions de leur nom. Nous avons parlé des générations. Des générations mauvaises. Regardez dans Genèse 6. Une génération mauvaise. La plus mauvaise qui a pu se présenter sur la terre. Les fils de Dieu ont été conduits à transgresser la volonté de Dieu. Il est dit au chapitre 6, à partir du verset 2, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Regardez le premier mélange. Les fils de Dieu se sont mélangés avec les filles des hommes. Ils n'avaient plus, ils n'étaient plus restés purs, ne prenant des femmes que parmi les filles de Dieu, mais ils furent conduits par la beauté des filles des hommes à abandonner la voie divine et marcher selon leur propre convoitise. Cette génération était si mauvaise. Au chapitre 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Quelle mauvaise génération! Le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et le Seigneur dit, regardez que quand cette génération mauvaise apparaît, il y a toujours un jugement qui vient. Tout de suite après, le Seigneur dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce dans cette génération méchante. Il y a eu un message de salut, un message pour échapper à l'esprit de la génération, pour échapper à la destruction qui venait. Toujours dans Genèse. Au chapitre 19. Là encore une génération méchante. Genèse 18. Au verset 17. Alors le Seigneur dit, gâcherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi, écoutez, afin qu'il leur donne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie du Seigneur en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi le Seigneur accomplisse en faveur d'Abraham la promesse qu'il lui a faite. Et le Seigneur dit,
Le cri contre Sodome et Gomorre s'est accru. Et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre. Et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Avez-vous vu cela? Encore une génération mauvaise. Mais, kasi, encore une fois, lisusu mbalayoko, il y avait un message de salut. Sango moko na lobiko eyaki. Abraham était sur la montagne. Abraham azaki likolo na ngomba. Et le Seigneur a dit, mais puis-je cacher à Abraham ce que je vais faire? Dieu ne cache jamais à ses élus ce qu'il va faire. Il les prévient afin que ceux-ci puissent marcher dans sa voie et que le Seigneur accomplisse en faveur d'Abraham les faveurs qui lui a, les promesses qu'il lui a faites. Est-ce que vous comprenez? Il y a eu des générations et il y en a d'autres qui étaient plus mauvaises. Nous sommes dans Genèse 15. Le Seigneur dit à Abraham, ta postérité séjournera dans une terre étrangère et tu seras servi. Verset 15, toi tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la quatrième génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréen n'est pas encore à son compte. 400 ans après, l'iniquité des Amoréens devait atteindre son compte. Mais au moment où Dieu parlait à Abraham, l'iniquité des Amoréens était là, mais il n'avait pas encore atteint son compte. Lorsque la période arriva, Dieu envoya Moïse avec un message. Il y avait encore une porte de une sortie de secours. Il y avait encore le moyen d'échapper à cette mauvaise génération. C'était au travers du message que Moïse apportait. Dans Matthieu au chapitre 16. Et il est obligé de constater que cette génération qui connaissait en son temps la plus grande visitation, la plus grande de toutes, était une génération mauvaise. Matthieu 16, verset 4, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. En ce temps-là, remarquez que Israël, en rejetant le message qui lui était apporté par le messager de l'heure, qui était le Seigneur lui-même, la porte fut fermée à Israël. C'était une génération méchante, adultère, la plus mauvaise de toutes. Et remarquez que c'est en cette période que le Seigneur a tourné le dos à Israël et que les nations ont pu alors entendre le message de salut. Dans le livre d'Apocalypse, on nous parle d'une autre génération. Ceci nous intéresse encore plus parce que c'est la nôtre.
C'est celle dans laquelle nous vivons. Au verset 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait. Apocalypse 18. Verset 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Afin que vous ne participiez point à ses péchés. Et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Cette génération est si mauvaise. Contrairement à celle de Sodome et Gomorre qui était mauvaise. Du temps de Sodome, le Seigneur est descendu pour vérifier. Mais celles-ci, ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. Le Seigneur n'a même pas besoin de descendre pour vérifier. Les péchés se sont amoncelés. Ils se sont ajoutés les uns sur les autres. Jusqu'à atteindre le ciel. Et dans cette génération, la coupe est comble. Mais encore une fois, il y a un message de salut. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. C'est le message de l'heure. C'est le dernier appel. Afin que vous ne participiez point à ces péchés, si vous ne sortez pas, vous participerez certainement à ces péchés. Et par conséquent, vous aurez part à ces fléaux. Alors Dieu lance encore un appel. Sortez du milieu d'elle. Une mauvaise génération. Nous dirons même la plus mauvaise de toutes. Parce que dans cette génération, cette génération a été comparée à celle de Noé. C'est le Seigneur qui l'a dit lui-même. Il en sera comme du temps de Noé. C'est dans Matthieu 24 que nous voyons cela. Le Seigneur lui-même dans Luc 17 dit qu'il en sera comme du temps de Sodome et Gomorre. Regardez qui compare cette génération à toutes les précédentes qu'on a vues. Arrivé dans le livre de Timothée, et combien dans mon candidat à Timothée, par le Saint-Esprit, Paul compare cette génération à celle du temps de Moïse. Il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront. Et tous les autres, et la description qu'il fait, semble nous faire croire que ce sont des incroyants. Mais il termine au verset 5 en disant, ayant l'apparence de la piété. Donc ce sont des gens qui prient, mais reniant ce qui en fait la force, c'est-à-dire la parole. Éloigne-toi de ces hommes-là. Puis au verset 8 il dit, de même que Jannès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité. Vous voyez que cet âge a été comparé à celui de Noé, à la génération de Sodome et Gomorre, à la génération de Moïse, et à la génération qui était là du temps de la venue du Seigneur. Parce qu'il est dit quand même, dans Malachie au chapitre 4, parlant d'Élie, il ramènera le cœur des pères vers les enfants. Ça, c'est la génération de notre Seigneur. Oui, il part de la nôtre. Il ramènera le cœur des enfants vers les pères. Et il a été dit à
notre frère Branham, même quand Jean fut le précurseur de la première venue, cette génération perverse, méchante et adultère. Jean était le précurseur dans cette génération pour annoncer la venue du Messie, de même que Jean fut le précurseur. Je t'envoie avec un message qui préparera ma seconde venue. Cette génération a accumulé tout ce que les autres générations ont eu comme péché, comme révolte, comme rébellion. Cette génération est la plus mauvaise, mais c'est aussi la plus glorieuse, parce qu'elle verra l'achèvement de l'œuvre de Dieu. Donc la méchanceté est proportionnelle à la gloire que Dieu veut révéler. C'est pourquoi nous sommes des bienheureux, si du moins nous pouvons échapper à l'esprit de ce monde. C'est pour ça qu'il est dit dans Apocalypse 19 que nous avons lu, heureux ceux qui sont invités au festin de Noël. En particulier, ils ont traversé toutes ces générations, ils ont traversé tous les âges, toutes les attaques de l'ennemi qui ont été connues en tout temps depuis la chute jusqu'à l'âge passé. Tout se retrouve dans cet âge. Il y a des choses qu'on a vues dans le temps de Noé qui n'étaient pas du temps de Moïse. D'autres qui ont existé du temps de Sodome mais qui n'étaient pas du temps de Noé. Mais ce qui a été dans tous ces âges s'est accumulé jusque dans cet âge. Une mauvaise génération. Voilà pourquoi nous devons prendre au sérieux le dernier appel et considérer que ce n'est pas en vain que le Seigneur parle. Nous avons des manquements, nous avons des faiblesses, mais nous ne voulons pas être rebelles. Nous tombons, mais nous regrettons. Et nous nous relevons pour ne plus retomber. Dans le livre de Jérémie, il est dit, mais qui tombe sans se relever? Qui tombe et ensuite prend plaisir à rester dans la boue? Ça ne va pas. On tombe. On reprend la marche. On dit, Seigneur, Bicolo, ne permets pas que ça recommence. Je retombe, mais je me relève quand même. C'est comme les boxeurs. Quand on le met KO, mais il ne veut pas rester par terre. Ils font tout pour se relever. Vous voyez bien qu'il est déjà ivre de coups. Il n'est même plus sur le ring. Il est déjà ailleurs, tellement les coups l'ont enivré. Vous regardez ses yeux, ils sont comme ça. Mais quand l'arbitre dit terminé, il dit non, je suis encore fort. J'avais suivi un jour un combat. Ce boxeur a reçu des coups, boxeur voilà, a joué qui m'a confié, venant de tous les côtés. Kouta bangambo na ngambo. Et à la fin du round, na souk na round, au lieu d'aller de son côté, n'essayez pas que les gambo raye, j'allais du côté de l'adversaire. Après na ngambo na mobundi sinaye. Ivre de coups. Alangui ma confié. La Odyssée. La Odyssée.
Il ne reconnaît plus l'origine. Il ne sait plus faire la différence entre son camp et le camp de l'adversaire. Il a tellement reçu de coups. Il appelle le mal bien. Et il appelle le bien mal. Laodicée est idiote. Et son boxeur allait du côté de l'adversaire. Et l'arbitre le regarde. Et l'arbitre le retourne. Et il le renvoie dans son camp. Et quand il arrive dans son camp, il demande à son manager. Il reste combien de rounds? Vous voyez, son manager était un homme. Il restait encore au moins 7 rounds. Et son manager lui dit, tiens encore le coup, deux, tu as gagné le match. Il dit, deux. Malgré lui, il se relève. Mais les coups ont encore plus de plus belles. Il rentre dans son coin. On lui dit, il en reste deux. Il dit, non, je ne me lève plus. Laodicea. Aveugle. Ivre à l'angui des attaques de l'adversaire. Au point que les choses de l'ennemi. Il appelle ça de Dieu. Vous lui expliquez tout ce que vous voulez. Il dit, tu ne vois pas que c'est la puissance de Dieu. Mais l'écriture est là. Laodicée est tellement ivre. Il ne sait plus lire. Regardez que dans l'âge de Philadelphie, il y avait des choses qui ne demandaient pas la révélation. C'est comme dans cet âge. Il y a des choses qui ne demandent pas le Saint-Esprit pour savoir que c'est faux. Vous croyez que tout, on a besoin du Saint-Esprit? Mais non, c'est pas vrai. Que dit Romains 2? Les hommes qui sont loin, ils ont le passage. Nous sommes dans le livre de Romains, au chapitre 2, verset 12. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. Regardez que on n'a pas besoin de Saint-Esprit pour savoir que voler, c'est voler. On n'a pas besoin de Saint-Esprit. Regardez, il y a des hommes naturels qui écoutent des prédications et qui disent, mais vous exagérez. Vous ne trouvez pas que vous adorez un homme? Ces hommes, eux, qui adorent l'homme, ne réalisent pas qu'ils adorent un homme. L'esprit religieux est terrible. Ils ont détrôné notre Seigneur. Ils ont mis les envoyés à sa place. Et ils adorent l'envoyé. Mais ils ne s'en rendent pas compte. Vous allez dans les dénominations. Ils adorent réellement l'ennemi.
Vous leur dites, ce que vous dites n'est pas écrit. Il y en a même un qui m'a dit, mais il faut aller au-delà de ce qui est écrit. Je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Je lui lis le passage de Paul qui dit, vous avez appris dans nos personnes à ne pas aller au-delà des Écritures, mais ivre comme le boxeur sur le ring. Il dit, nous voyons plus loin. Que voyait-il? Que le camp de l'ennemi était son camp. Mais c'est la Odyssée. On voit dans cet âge des choses qu'on n'a jamais vues. Bien-aimés, dans cet âge, il y a eu des générations qui ont été tellement mauvais, des villes qui ont été tellement mauvais, elles ont été détruites, elles ont disparu, d'autres ont été englouties, mais cette génération sera brûlée. Il faut que le péché soit consumé, parce que trop c'est trop. Le Seigneur n'a pas besoin de descendre pour vérifier. Il n'envoie plus des anges pour voir. Le péché est venu jusqu'à lui pour le déranger là où il est. Et il a décidé Laodicée. Quelle mauvaise génération. Et nous sommes nés dans cette génération. C'est-à-dire que par nature, par naissance, nous sommes sous l'influence de l'esprit de cet âge qui nous conduit à faire ce que nous faisons. Et par la proclamation de la parole, le Seigneur nous rappelle que non, 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 c'est une mauvaise voie. Elle n'était pas destinée. Fais demi-tour. Retourne à ton Seigneur. Reviens à la parole. Mais là où dit c'est tellement ivre, ça ne passe pas. Regardez dans son ivresse. Laodicée a bu à la coupe de Babylone. Alors que avant, tout le monde savait qu'il n'y avait qu'un seul Dieu. La connaissance qui a été amenée par Abraham. Amen. Cette connaissance était perdue. Et Dieu a appelé Abraham pour faire connaître qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et le nom de ce Dieu, le nom de Yahvé, par Pharaon, le nom s'est répandu sur toute la terre. Et les hommes ont su que Yahvé était Yahweh, le Dieu d'Israël, Israël, est le vrai Dieu. Le monde a su cela. Rahab a dit aux espions, nous avons appris ce que votre Dieu est. Les conseillers de Pharaon lui ont dit, le Dieu des Hébreux est trop fort. Quand comprendras-tu? Ne vois-tu pas que l'Égypte se meurt? Laisse aller ces hommes. Personne ne peut résister à leur Dieu. Mais Laodicée, mais le monde a bu à la coupe de Babylone. Hier, on a entendu parler de cet homme qui s'attarde sur le vin. Mais qu'est-ce qui se passe quand un homme est ivre? Là où il y en a un, lui il en voit deux.
Je dis, ah, vous venez pour me déranger. Yves, il a bu à la coupe de Babylone. Du Dieu unique. Il a commencé à en boire deux. Au lieu d'arrêter de boire, il a encore bu. Puis il dit, ah, maintenant vous êtes à trois. Et il continue. Mais dans son ivresse, au lieu de s'arrêter, Babylone continue à boire. Puis il boit, il regarde Marie, et là maintenant l'ivresse augmente. Ah, tu es la mère de Dieu. L'ivresse continue à augmenter. Au lieu d'arrêter, il boit encore. L'ivresse augmente. Puis en 61, il dit, allez, elle est montée au ciel. Qui Marie? Nani Maria? Son ivresse est tellement grand. Regarde. Ah, il est déjà descendu. Oh, mais il continue à boire. Il boit, il dit. Nous sommes déjà dans le millénium. Dans le millénium avec les moustiques qui nous font souffrir. Rien que ces moustiques ne vous font pas voir que nous ne sommes pas enfants. Non, l'ivresse est tellement grand que le monde ne comprend plus rien. C'est ça la Odyssée. Et Dieu dans son amour, il nous envoie un message. Et Jean dit une chose merveilleuse. Il dit dans Jean, 1 Jean chapitre 1er, verset 1er, ce qui était dès le commencement. Mais qu'est-ce qui était au commencement? Au commencement était la parole. Alléluia. Il ne parle pas à la création. Il dit au commencement. Adeli Koloba était au Nebandeli. Juste à la sortie de l'éternité. Qui n'a pas bien la bobimina na na bobimina seko na seko. Au commencement était la parole. Na Ebandeli Liloba Ajara. Maintenant, lisons dans 1 Jean 1. Sika totanga na mukandeli bosio na mukapa. Ce qui était dès le commencement. Oyo ezala ki ute bandeli. Ce que nous avons entendu. Oyo tosila ki koyoka. Formidable. Matata. Ce qui était au commencement, c'est ce que Jean a entendu. Mais après combien d'années? Après le commencement, il y a eu la création. Puis il y a eu la chute. Puis il y a eu Enoch. Puis il y a eu Noé. Puis il y a eu Abraham. Puis il y a eu les Moïse. Puis il y a eu les prophètes Esaïe. Puis Zacharie. Puis Malachi. Des milliers d'années après. Ce qui était au commencement là, est parvenu dans toute sa pureté à Jean. Amen. Non seulement à Jean, parce que Jean dit ce que nous ce qui était au commencement, ce que nous avons entendu. Comment la vérité a-t-elle pu traverser toutes ces générations et demeurer pure jusqu'à Jean? Mais c'est incroyable. Ce n'est pas possible à l'homme. Nous prenons 5-6 personnes seulement. Dis à l'un. Avant que ça arrive au dixième. Toi, tu as fait. 45 secondes, 1 minute. L'autre, il ne fait qu'une seconde. Regardez comment en chemin la vérité, ce qui est dit, se perd. Moi, je dis 5 francs.
Lui, il abrège en 4. Ye, ayesa omokuse mine. Félix abrège en 3. Félix ayesa omisa. Moïse abrège en 2. Mosa komisa omibale. Kalonja abrège en 1. Kalonja ayesa omoko. Jean coupe de moitié. Yohana katin dambo. Georges de 3 quarts. Georges misato. Félix jette le tout et garde un mot. Félix yabwa kinyon sa tikele obele na moko. C'est ça l'homme. Moto na kaboy. Mais ce qui était au commencement, c'est ce que nous avons entendu. Ça, ça me dépasse. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Alléluia. Au verset 3, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. Vous aussi. Alléluia. Amen. Non seulement ça a été gardé pur jusqu'à nous, mais Dieu nous a donné la capacité de garder ça pur. Ce que nous avons entendu, nous vous l'annonçons aussi. Paul dit dans Actes 20, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Quand je lis de tels passages, je suis dépassé. Comment un homme peut-il annoncer tout le conseil de Dieu? C'est ça le don. C'est ça le ministère. C'est ça la grâce. L'homme ne peut pas. Mais Dieu peut. Alors il prend un vase de terre. Et il prend des vases vides. Et il met en lui sa parole. Il dit, c'est afin que la gloire me revienne. Pour que vous sachiez que ce n'est pas possible à l'homme. Mais à Dieu, cela est possible. Dieu le fait comme ça. Alors quand ces hommes avancent, ils savent que cela ne vient pas de Dieu. Ça vient de Dieu. Alors ils rendent toute la gloire à Dieu. Mais celui qui a transformé, il essaye de prendre la gloire pour lui. Donc, il est ami du ciel. L'Écriture dit, à toi l'honneur. Pas à eux l'honneur. À toi, Nayo. Vous voulez honorer quelqu'un? Vous voulez qu'on fasse notre locum? Honorer Dieu? Mais qu'on fasse ça, mais locum? À toi la gloire. Et puis Nayo locum, qu'est bon? À nous? À toi? Non, Nabi Sotel. Qui la louange? Ma sandolie. À toi la louange. Nayo ma sandolie. Alléluia. Amen. Alors quand tu lui rends gloire, lui te dit j'ai des envoyés. Alors quand tu regardes les envoyés, tu dis merci Seigneur pour ces hommes que tu as envoyés. Tu honores Dieu parce que en honorant Dieu, tu es obligé d'honorer ses enfants. Amen. Vous savez pourquoi? Esaïe. Nous sommes au chapitre 43. Vous êtes digne d'honneur, mes frères. Nous sommes dans Esaïe, au chapitre 43. Il dit, ainsi parle maintenant le Seigneur qui t'a créé, ô Jacob. Celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien car je te rachète. Alléluia. Amen. Nous ne comprenons pas le rachat. Que veut dire ne crains rien, je te rachète? Quand ton frère sera devenu pauvre et se vendra à un étranger comme esclave, son proche parent le rachètera.
pour lui donner sa liberté. Et l'homme était vendu au péché. Et le Seigneur lui dit, ne crains rien Israël, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Pourquoi? Pour un car je suis le Seigneur, ton Dieu, le Saint d'Israël, mon Sauveur. Je donne toute l'Égypte pour ta rançon, toute l'Éthiopie à ta place. Pourquoi? Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré. Et que je t'aime. Alors Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. Et c'est vrai. Avec nous. Bien-aimés, notre communion ne peut pas être en dehors de la parole. Quand tu ajoutes, tu dois retrancher ce que tu ajoutes. Tant que tu n'as pas retranché ce que tu as ajouté, il y aura des légères étincelles entre nous. C'est pour le salut que nous sommes venus, pas pour une communion en dehors de la parole. Nous vous annonçons cela afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Oh, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Notre joie ne peut être parfaite que lorsque la parole est proclamée dans sa pureté. Pour que la parole soit annoncée parfaitement. C'est très important. Est-ce que vous saisissez que la vérité a traversé tous ces âges et elle a pu demeurer pure. Et Paul dit dans les Romains, malheur Mawa. À celui qui essaie de retenir la vérité captive. Vous ne pouvez pas retenir la vérité. Bien aimé, il y a des hommes qui ont voulu combattre la vérité. Mais il n'y a pas moyen. Ils ont voulu tuer la vérité. Et ils l'ont vu mort. Merci, frère. C'est pas une chose, c'est lui. Et c'est le côté. Je suis la vérité. Je suis la vie. Et ils ont combattu la vérité. Et ils l'ont vu mort. Mais trois jours après, il était debout. On ne pouvait pas le retenir. La dénomination ne peut pas le retenir. Nos pensées ne peuvent pas le retenir. Il marche. Attends, Boraka. Que dit Apocalypse?
Au chapitre 1er, j'entendis une voix. Et je me retournai pour voir la voix. Bien aimé, la voix, elle vient de quelque part. Est-ce qu'il est possible? Et j'ai déjà vécu cela. Avec un de nos enfants, j'étais assis au salon. Et elle frappe à la porte de ma chambre. J'étais assis au salon derrière elle. Elle frappe à la porte de la chambre. Je dis entrer. Elle entre. Elle regarde dans la chambre. Je n'y étais pas. Elle ressort. Je n'en revenais pas. Mais Jean a entendu une voix. Et de ceux qui arrivent avec des hommes. Vous les appelez. Vous leur prêchez la parole. Ils disent Amen. Et au lieu de suivre la voix, vous entendez qu'il est dans un groupe de réveil. Il y a quelque chose qui va. Jean a entendu la voix. Il s'est retourné. La voix venait d'une direction. Alléluia. Jean-Baptiste a dit, et j'entendis du ciel, il a regardé d'où venait la voix. L'homme normal, il regarde du normal. Bon, vous avez compris. L'homme normal, regarde du côté où vient la voix. Et Jean s'est retourné. C'est pour ça que le Seigneur a dit, mes brebis connaissent ma voix. Elles l'entendent et elles la suivent. Jean s'est retourné pour regarder la voix. Et il vit au milieu de ces chandeliers un fils d'homme. Que faisait-il? Regardez avec moi. Verset 12. Je me regardais pour savoir, je me retournais pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis ces chandeliers d'homme. Et au milieu de ces chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe. Mais quand Zacharie avait vu les sept chandeliers, les sept chandeliers étaient vides. Quelques années plus tard, Jean regarde les sept chandeliers et il voit un fils d'homme au milieu qui marche. D'où venait-il? Il venait d'en dehors des chandeliers. Il était d'abord marchant avec Israël, et quand la génération méchante l'a rejeté, il est en au milieu de ces chandeliers, il est venu parmi les nations. Maintenant, au temps de la fin, les nations le rejettent. Il sort de ces chandeliers et il retourne à Israël. Il donne un message merveilleux. Amen. Le Seigneur est pour nous un refuge. Nous devons comprendre que en tout temps, Dieu a donné à l'homme un refuge. Dans le livre des Nombres, au chapitre... des villes dans lesquelles iront se réfugier
Tous les coupables qui ont versé le sang alors qu'ils ne voulaient pas. Mais nous péchons, mais nous ne voulons pas. Est-ce que vous comprenez? Nous n'avons pas un esprit de rébellion. Nous avons un esprit de soumission. Un esprit d'obéissance. Quand la désobéissance vient, on n'aime pas. Nous sommes des fils obéissants. Amen. Amen. C'est très important. L'esprit de rébellion n'est pas l'esprit de Dieu. Quand on voit la parole de Dieu, bah même, je m'en fous. Non. J'ai mal. Je dis amen. Mais j'ai mal. Parce que je suis dans la chair. Mais l'homme intérieur serait... le vouloir, à l'ingité, quand le vengeur de sang, tant mon zon qui s'incande à ma cœur, le suivra, à colandaye, que cet homme coupe, montant et apotambango, sans s'arrêter, apotambango la côté les matins, dans une ville de refuge, mbango la carte na engumba moko la kobomba, quand il y entre, tant où y a côté kuna, là il est protégé, wana abate l'ami. Contre le vengeur. Côté mais là, mon zongi, c'est bien aimé, c'est très important. Balinga, mais là, mon zongi, c'est quand tu versais le sang, quand vous avez ce pomaki là, tu ne rentrais pas à la maison. Vous avez qu'on zongi à l'anda côté. Pour expliquer à ta femme. Voilà. Et je dois courir dans la ville la plus proche la de toi. Non. De là où tu étais, de là où tu es, tu cours dans la ville. Mais non dans la ville, tu envoies le message à ta femme. Tu envoies le message à tes enfants. Venez me rejoindre dans la ville. Vous me trouverez là-bas. On ne peut pas en sortir. Amen. Amen. On me trouve dehors. On me met à mort. Moi, je suis dans la ville. Ma femme, tu m'aimes? Mon mari, tu m'aimes? Mes enfants, vous m'aimez? Suivez-moi dans la ville. Mais moi, je n'en sortirai pas. Parce que quand on arrivait dans la ville, c'était le repos. Et la vie qu'on permit. Le cœur qui battait. Mon témoignage complète, tout vous arrête de battre. Et tel est bien, Tiki. Je connais un frère en Europe. Navin de comment on a porté. Il roulait, il n'avait pas les papiers en règle. Avec autant de gens, tout cas, avec les papiers, il n'y a rien d'autre. Chaque fois qu'il voyait un policier. Ça vous savez comment on a poulu sur mon corps. Ou un gendarme. Toi, un gendarme, mon corps. Il l'a mis. Je dis, mes frères, qu'est-ce qu'il ne va pas? Nathalie, c'est qu'il est camouflé. Même si le gendarme. Et quand il a eu les papiers, le vieux réflexe était toujours là. Moi, quand moi, quand on était là, qu'est-ce qu'il a? Il l'ombait. Tu as les papiers? Ah, mais c'est vrai. Alléluia! Amen. Quand tu viens de fuir le vengeur du sang, et tu entres dans la ville, tu peux encore avoir de vieux réflexes. Tu vois un membre de la famille, tu dis, mais non, mais tu es dans la ville. Il n'y a point de condamnation. Pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Mais il faut y être. Tu ne peux pas être dehors. Et croire que tu y es. Parce qu'il y a des hommes. Ils courent. Jusqu'à la porte. Et puis ils se reposent. Mais insensé. Mais aux animaux. Entre d'abord. Et ensuite tu te reposeras. Toi tu arrives à la porte. Et pendant que tu te reposes, quand vous avez copé, ma. Trop tard. Quand vous êtes là.
Et ce frère avait toujours le vieux réflexe. Mais il y a un autre. Et quand il avait eu ses papiers, quand il voyait les policiers, il allait passer près d'eux. Et puis il dit, mais frère, quand je n'avais pas les papiers, il me dérangeait tout le temps. Mais maintenant, quand je passe, il ne m'appelle jamais. Pourquoi le visage coupable se voit? Et l'onglet est comment on a? Ça se voit. Le visage d'âme sereine. Ça se voit aussi. Et moi, on a campé le cola. Est-ce que vous comprenez? Alors tu devais courir. Juste entrer dans la ville. Quand le vengeur entre dans la ville, à côté de la tête, son langage doit changer. S'il veut garder le même langage, qu'il reste dehors. Mais s'il entre, le langage doit changer. La langue doit être brûlée. C'est pour ça que le jour de la Pentecôte, quand ils sont entrés, la colonne de feu s'est divisée en plusieurs languettes qui se sont posées sur chacun, et leur langue a été consumée par le feu divin. Jacques 3 dit que la langue est animée par le feu de la géhenne. Attention à la manière dont vous parlez. Celui qui a été visité par le feu d'en haut, il y a le baptême de feu et d'esprit. La langue doit être consumée par le feu parce qu'elle brûlait par le feu de la géhenne. Maintenant elle doit brûler par le feu divin. Alors quand le vengeur rentrait dans la ville, alors que dehors il disait, je vais te tuer, l'homme traverse la porte, lui aussi traverse la porte, le fuyard se retourne. Oui, mon frère. Et le vengeur. Déjà. Mon frère. Dans la ville. Tous sont frères. Dans la ville. Ils s'aiment. D'un amour sincère. Ils ne se font pas la guerre. C'est une ville de paix. C'est une ville de lumière. La ville de refuge. Alléluia. Amen. Ça représente notre Seigneur Jésus-Christ. Le nom du Seigneur est une tour forte dans laquelle le juste se réfugie. Est-ce que vous comprenez? Quand Dieu a créé Adam, il l'a placé dans une tour. Une tour de la parole. Tant qu'il était dans la parole, Satan ne savait que faire. Il fallait l'en faire sortir. C'est ça tout le problème. Vous savez, il y a un petit poulailler là-bas. Moi, prenez un cancre là. Jetez-le là. Vous allez voir comment le cancre là va devenir fou. Comment les poules vont le suivre. Il essaiera de voler. Les poules ont des ailes. Il va essayer de se cacher quelque part. Elles ont un bec pour aller casser. Le cancre là devient fou. Et il termine dans le ventre de la poule. Mais vous prenez le même cancre. Vous le mettez dans une bouteille de verre. Et vous le jetez dans le poulailler. Toutes les poules viendront pour picorer. Mais entre la poule et le cancre là, il y a la bouteille qui a une protection. Alors la poule va. Et le concrelant pourra être fou dans sa bouteille. Et à un moment donné, il réalise qu'ils n'arrivent pas à me toucher.
Ça fait quand même 10 minutes. Mais 5 minutes, tu sommes. Quand je suis dans la basse-cour. Mais je suis toujours vivant. Mais alors, pour louer Dieu. Paul était là. Paul était là qui va. Puis au bout de quelques années. Il a vu qu'il était bien vivant. Il a dit, oh mort, où est ton aiguillon? Oh, coupe, où est ton aiguillon? Dans la bouteille, on défie le diable. Dans la bouteille, on est vainqueur. Il y a une chose que le diable ne sait pas faire. Il peut imiter tout. Tous les dons. C'est pour ça qu'il ne faut pas se fier aux dons. Il peut imiter même l'amour. Ne vous fiez pas à ça. Il peut même vous donner une fausse révélation. Ne vous y fiez pas. Il y a une chose que le diable ne sait pas faire. C'est naître de nouveau. Et pour entrer en Christ, mais pour la Christ, il faut naître de nouveau. Oh, nous sommes nés de nouveau. Et nous sommes entrés en Christ. Pour que le diable nous rejoigne là, il doit naître de nouveau. Et entrer. Oh, ça lui est impossible. Parce qu'il est le diable. Le serpent ancien. Appelé Satan. Il ne peut pas naître de nouveau. Alors, celui qui est né de nouveau. Il a triomphé du monde. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Amen. C'est vrai, c'est très important. Oh mort, où est ton aiguillon? Oh, coupe rapide ton banayon. La ville. Engumba. Quelque chose devait s'opérer. Il fallait entrer dans la ville. Dans le livre de Genèse. Dans mon canda la Genèse. Genèse, chapitre 19. Genèse, mon caponazo minalibwa. Au verset 14. Mon longo yazo minamini. Il y avait un message dans cette génération perverse. Sangumo kweza ki la kat na libota ou na masum. Et Lot est sorti, verset 14. Lot sortit et parla à ses gendres. Lot abima ki pe alobela ki babokilo na ye. Qui avait pris ses filles. Levez-vous, dit-il. Sortez de ce lieu. Car le Seigneur va détruire la ville. Et aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Il y a des gens qui ne prennent pas au sérieux ce que nous disons. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot. En disant, lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Les anges avaient déjà prêché à Lot. Mais maintenant, ils insistent. Vous avez entendu? Verset 16. Et comme il tardait, sa femme et ses deux filles, regardez, il est saisi par la main. Pourquoi? Relisons le passage. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main. Lui, sa femme et ses deux filles. Car l'Éternel voulait l'épargner. Avez-vous entendu? Il l'emmenait
Et le laissait hors de la ville. Amen. Amen. Les hommes ne se sont pas contentés de prêcher. Mais après avoir prêché, ils l'ont saisi. Mais toi, tu traînes trop. Verset 16. Et comme il tardait, l'autre n'avait pas refusé. L'autre a voulu quitter. Il avait dit, mais oui. Alors, bah, qui sont là? Et il a même été pressé à 16 ans. À quel côté, bah, vous, qui l'on a eu? Mais au moment de sortir, il tardait à Oumelaki. C'est ça le problème. Yambondeli, Kamomunene. Tu as dit amen. On a dit amen. Tu as dit oui. On a dit iya. Seigneur, je veux faire ta volonté. Mais au moment de le faire, tu te mets à traîner les pieds. On va dire qu'on Oumela, qu'on Oumela. Les anges du nom, ça va pas. Ils l'ont saisi par la main. Oui, sa femme. Moi, c'est la yeux. Et ils ont dit, ils l'ont tiré. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes solide? C'est ce que nous faisons par la prédication. C'est ce que quand vous écoutez la parole, vous avez l'impression qu'on vous force. Comme si on essaie de vous contraindre. Mais oui, on veut vous contraindre à sortir. C'est important. Et dans la motouille, si tu traînes, et tu périras. Après avoir dit oui, après avoir prêché aux autres. L'autre a prêché aux autres. Mais il a failli périr dans la vie. Il a fallu qu'on le tienne. Et qu'on le dise. Verset 17. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Après les avoir fait sortir, les ordres ont quand même continué. Sauve-toi, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas. Mais ils sont sortis de Babylone et ils se sont arrêtés. Et Babylone les a rejoints. Quand ils sont sortis d'Égypte, ils allaient dans la terre promise. Et comme ils allaient dans la terre promise, en Égypte, ils avaient bâti en solide. Mais dans le désert, c'était interdit. Il fallait vivre sous des tentes. Vous savez pourquoi? Quand un homme habite dans une maison de matériaux durables, quand on lui demande de partir, c'est difficile. Il dit ma maison, mes économies, ma vie. Sa vie est dans la maison. Cet homme ne sortira pas facilement. Mais l'homme qui a eu une tente, quand on lui dit partons, qu'est-ce qu'il fait? Il déterre la tente, il la plie. Il la met dans un sac et il recommence la marche. Alors Dieu avait dit à Israël, dans le désert, ne bâtissez pas en solide. Non. L'homme qui bâtit en solide aura peur. Aura mal quand il faudra reprendre la marche. Maintenant, si vous ne comprenez pas, vous allez dire, frère Firmin a dit qu'on ne bâtisse pas la maison. Non, nous sommes dans le spirituel. Nous sommes dans le spirituel. Il ne s'agit pas des maisons naturelles. Alors Israël fêtait la fête des tabernacles. Dieu leur avait dit, vous connaissez les fêtes de l'Éternel. Et il y a la fête de Pâques, la fête de pain sans levain, la fête des prémices, et la Shabbat, la Pentecôte,
Pentecôte, les trompettes, l'expiation, mais ça, il y a une dernière fête, c'était la fête des temps. Oui, c'est la fête il y a la Bahéma, la fête des tabernacles, la fête il y a Mingombo. Pendant cette fête, la fête en fait, Israël devait sortir de ses maisons. Israël c'est là qu'il faut bimau, tu vas dans la dans la terre promise. Donc la fête en Mingombo qu'on est là quand. Étant déjà arrivé dans la terre promise. Et puis vraiment comment Mingombo qu'on est là quand. À la fête des tabernacles, na fête Mingombo, ils sortaient de leur maison. Badai ko bimau ta banda kuna bango. Ils bâtissaient des temples. Badai ko ko sala Bahéma. Et ils dormaient là-bas. Et badai ko lala kuna na kati. Pour se souvenir. Voilà ko kanisa. Qu'ils étaient étrangers. Et badala kaba paya. Pèlerins. Balé pinzela. Et voyageurs. Et basali mopembo. On a chanté Nazali Mopaya. Rimba kia, je suis un étranger. Abraham était étranger. Abraham avec Mopaya. Vous comprenez? Vous s'entendez? Le Seigneur lui avait dit, parcours la ville, de, le pays de bout en bout. Pour que tu voies ton héritage. Ne t'arrête pas à un seul endroit. Parcours comme tu veux. Et pendant la fête des tabernacles, Israël se souvenait qu'il était sorti d'Égypte et qu'il s'était retrouvé dans le désert jusqu'à arriver dans la terre promise. Bien aimé, il est grand temps qu'on reprenne nos temps. Nous avons bâti en solide et nous nous sommes arrêtés. Déterre ta tente. Vous voyez comment vous avez de la peine? Parce que vous avez bâti en solide. Et vous êtes devenu riche. Vous avez trop d'acquis. Mais Dieu veut qu'on continue à fêter la fête des tabernacles. Regardez que pendant le jour de grâce, nous sommes dans la fête de pain. Nous sommes dans la fête de pain sans lèvres. Nous expérimentons la jambe agitée. Nous expérimentons la fête de Pentecôte. Nous expérimentons la fête des trompettes. Nous expérimentons l'expiation. Mais la fête des tabernacles, nous ne la fêterons que dans le millénium. Pourquoi? Nous sommes encore en voyage. Nous n'avons pas encore bâti en solide. Nous sommes censés avoir des temps. Nous prions et attendons avec nous. Amen. Amen. Sauve-toi. Mibi Kisa. Ne t'arrête pas dans la plaine. Ne regarde pas en arrière. Cours jusqu'à la montagne. De peur que tu ne périsses. La commande est de l'autre regarde la montagne. Et le psalmiste dit, je tourne les regards vers la montagne. D'où me viendra le secours? Le secours me vient du Seigneur. La montagne représentait le grand Dieu. Le Seigneur. Abraham regarde. Abraham dit, mais comment moi, un homme, puis-je devenir comme Dieu? Vous me demandez de devenir comme Dieu. Est-ce que vous entendez cela? Mais cet homme Nebuchadnezzar avait eu un son et il a vu une montagne et une main, une petite pierre se détacher de la montagne, frapper la statue des pieds. Et puis la petite pierre grandit elle-même et redevint une grande montagne. Qu'est-ce que ça représentait? Le Fils de Dieu qui est venu du grand Dieu, du Seigneur. Il parut comme un simple homme. Mais quand il mourut, sa divinité fut révélée et il redevient lui-même le Seigneur. Amen. Amen. L'autre regarde la montagne. L'autre a l'ingomba. Si je n'y arriverai pas. Moi, un homme. N'ai mon toboye. Né d'une femme. N'a pas tenu ta voix. Devenir comme Dieu. C'est impossible. Et quoi qu'il en soit, alors, verset 18. L'autre leur dit. Oh mon Seigneur. Oh Kolonangai. Voici.
J'ai trouvé grâce à tes yeux. Et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard. En me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne. Avant que le désastre m'atteigne. Et je périrai. Voici cette ville. Est assez proche. Pour que je m'y réfugie. Et elle est petite. Ah, oh, que je puisse m'y sauver. Oh, tiquette, la bibi qui s'accoula. N'est-elle pas petite? Et que mon âme vive. Alléluia. Amen. Que je devienne comme Dieu. Je n'arriverai pas. Mais au moins. Amen. Je peux devenir fils de Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes enfants de Dieu. La ville est petite. Mais elle est proche. Amen. N'importe qui. Même Lot. Alourdi par le péché. A pu fuir jusqu'à cette ville. N'importe lequel d'entre nous. Peut atteindre cette ville. Alléluia. Amen. N'est-elle pas petite? Verset 21. Et il lui dit. Voici. Je t'accorde encore cette grâce. Je ferai grâce à qui je ferai grâce. Et nous recevons de Jésus-Christ grâce sur grâce. Et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Tout sera détruit. Sauf l'arche. Tout sera détruit. Sauf Christ. Tout sera détruit. Sauf les portes où il y a le sang. Quand je ferai le sang, je passerai par-dessus. Amen. Hâte-toi de t'y réfugier. Le message n'est pas donné pour qu'on aille nonchalamment. Non, on doit se hâter de sortir. On doit se hâter d'entrer. C'est quand tu es déjà entré que tu peux te reposer. Hâte-toi de t'y réfugier. Car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le Seigneur te demande de te hâter. Car il ne peut rien faire tant que le dernier d'entre nous n'est pas entré. Quand la totalité des païens sera entrée, alors la totalité des juifs seront sauvés. Tant que nous ne sommes pas entrés, il ne peut pas tourner les regards vers les juifs. Maintenant, quand toi tu entends ça, tu dis, comme il ne peut rien faire, tant que moi je ne suis pas entré, tant je peux encore traîner, parce qu'il m'attendra. Où est-ce que c'est la preuve que tu n'es pas concerné. Parce qu'il a dit, souviens-toi de la femme de Lot. Elle s'est arrêtée. Alors que l'ordre d'été ne t'arrête pas. Elle a regardé en arrière. Alors que l'ordre d'été ne regarde pas en arrière. Vous avez vu? Oui. Si tu es concerné, la prédestination ne te poussera pas à faire le mal. La prédestination va te pousser à entrer en Christ. Et faire la volonté de Dieu. Amen. Car le Seigneur ne peut rien faire tant que tu ne seras pas entré. C'est pourquoi, c'est pour cela que l'on donna à cette ville le nom de Tsoar. Comme vous l'avez dit, n'est-elle pas petite? C'est un petit lieu, mais nous n'y sommes pas à l'étroit. Chacun a sa place. Si tu entres dans cette ville ici sur terre,
pourras entrer dans la ville céleste. Si tu n'es pas entré dans cette ville, tu n'entreras pas dans celle-là. Verset 23. Le soleil se levait sur la terre. Amen. Lorsque Lot entra dans Lot a potaki. Amen. Nous à la parole prophétique. Comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Jusqu'à ce que le jour vienne apparaître. Sentinelle connue du de la nuit. Sentinelle on a vu l'île pour la nuit vient. Mais le matin aussi. L'entend marcher. Et là il entrait. Amen. Le jour se levait. Alléluia. Amen. Il y a un cantique qui dit ce grand matin là. Nous entrerons. Certainement. La ville a été bâtie pour nous. La ville de refuge a été faite pour toi. Tu dois y rester jusqu'à ce que le souverain sacrificateur qu'on a induit meure. Notre souverain sacrificateur, il est selon l'ordre de Melchizedek. Il n'est mort point. Donc, nous resterons dans cette ville éternellement. Alléluia. Amen. Avec qui? Avec notre souverain sacrificateur. Oh, qu'il est doué et agréable. Pour les frères de demeurer ensemble. Demeurer, c'est-à-dire habiter. Vivre en permanence. Ensemble. C'est là que Dieu répand la bénédiction. La vie éternelle. C'est comme quoi? C'est comme de l'huile répandue sur la tête, sur la tête d'Aaron, coule sur sa barbe et puis sur ses vêtements. Qui était Aaron? Le souverain sacrificateur. Qui est notre souverain sacrificateur? Or, l'huile d'onction qui avait été la tête d'Aaron coulait sur sa barbe jusqu'au bord de ses vêtements. L'onction répandue sur notre souverain sacrificateur Jésus-Christ a coulé sur sa tête. Il est venu sur le corps. Or, Jésus est la tête et nous sommes le corps. L'huile répandue sur la tête coule. Alléluia. Amen. La même huile. La même onction. Qui est sur Jésus. Est sur nous. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi quand cette onction était sur Jésus, il a pris l'écriture d'Ésaïe 61. Dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Lui dit, aujourd'hui, l'écriture est accomplie. Mais lorsque cette onction a coulé et est venue sur les membres du corps, le jour de la Pentecôte, Pierre s'est levé. Homme, frère, c'est ici ce que dit le prophète Joël. Alléluia. Amen. La même onction. La même proclamation. Lorsque cette onction vient sur nous, nous déclarons aussi. C'est ici. Ce qu'a dit Matthieu 25. Un cri a retenti au milieu de la nuit. Alléluia. La même onction. La même vie. Alors le psalmiste regarde et dit, c'est pourquoi, ô Dieu, ce fils, moi, et Dieu, manifesté en chair. Souvenez-vous de la pierre qui s'est détaché de la montagne sans le secours d'aucune main. C'est-à-dire, elle s'est détachée par la volonté de la montagne. Alléluia! Amen. Je
venu du Père. Sainte Pierre est venu. Il est redevenu une grande montagne. C'est la même montagne. Alléluia. Amen. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Jésus-Christ, mon mort. A Koufi. Il ressuscite. À Sekoui. On annonce ça à Thomas. Bah, ça là que bah, Thomas. Il dit je ne crois pas. Abin intimité. 8 jours plus tard. Jésus-Christ paraît parmi eux. Jésus-Christ abîmé les bambous. Et dit. Ne craignez pas. Puis regarde Thomas. Nathalie Thomas. Ne doute pas. Avance ta main. Et touche. Thomas se mit à trembler. Thomas et quand il regarde, celui qui était son compagnon, avec lequel il avait marché, dormi, traversé le lac, mangé. Thomas le regarde et il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Le Dieu des apôtres, c'est notre Dieu. Oh, le Dieu des apôtres, c'est le Dieu des Hébreux. Et le Dieu des Hébreux, c'est Yahvé. Et notre Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc Yahvé de l'Ancien Testament, c'est Jésus du Nouveau Testament. Thomas regarde et dit, mon Seigneur et mon Dieu. Alors le psalmiste s'écrit, c'est pourquoi, oh Dieu, le Dieu de qui? Le Dieu des apôtres. C'est pourquoi, oh Dieu, et ce Dieu-là a lui-même un Dieu. Amen. Va dire à mes frères, je m'en vais vers mon Dieu, votre Dieu, vers mon Père, votre Père. Alors le psalmiste le regarde. Il dit, c'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu. Mais oh Dieu, et ton Dieu, c'est la même personne. Nous ne sommes pas ivres pour en voir deux, mais une personne. David a regardé la même révélation. C'est pourquoi le Seigneur Dieu a dit à mon Seigneur le roi, le Seigneur. Et le Seigneur, c'est le Seigneur. Nous ne sommes pas ivres. C'est pour ça qu'il a été dit, ne pleure pas Jean. Le lion de la tribu de Juda a vaincu pour prendre le livre. Et je vis du milieu du trône. Mais avant, il avait regardé et sur le trône il n'y avait que celui qui tenait le livre. Mais quand on lui annonce cela, il regarde du milieu du trône, il voit un agneau immolé. Qui sont abîmé. Mais d'où sont-ils? Il avait traversé le ciel des cieux. Prends le livre. C'est vrai qu'on en voit deux. Mais ce n'est pas deux personnes. C'est une seule personne. Alors le psalmiste se dit, c'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu, ta ouin, une huile de joie, au-dessus. Au-dessus de nous, parce qu'il est la terre, et nous sommes le corps. Celui qui a vu le Fils a vu le Père. Alléluia. Amen. Mais celui qui voit le corps doit voir le Fils. Sans. Pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus. Qui persécutait-il? Le corps. L'église. Ecclesia. Quand vous voulez voir le Seigneur entier, vous devez le voir avec moi. Moi qui? Un membre du corps. C'est-à-dire, chacun de nous doit dire la même chose. Quand on veut
voir Jésus en entier, on va le voir avec nous. Quand il était à Jérusalem, on l'a vu avec nous. Quand il marche à Jérusalem, en tout cas, j'étais là. Étais-tu là? Tu y étais vraiment? En Christ. En lui. Dieu nous a élus. Avant la fondation du monde. Pour que nous soyons quoi? Des enfants. Bien-aimés. Nous le sommes. Il ne peut pas détruire sans que nous soyons entrés. C'est pas possible. C'est pour ça qu'il a envoyé le dernier appel. Sortez du milieu de vous. Écoutez ce message. Obéissez. Hâtez-vous. Le Seigneur nous aime. Il ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Mais il veut que tous soient sauvés. Quelle est donc cette attraction? Sur la montagne, c'est Dieu qui a accompli son action. Dieu fait l'histoire. Il y a eu une attraction sur la montagne. Les hommes étaient dans la ville et ils entendaient des coups de marteau. Noé faisait l'arche. Quand il faisait l'arche, tout le monde avait entendu. Parce que les coups retentissaient. Quand le Seigneur était sur la montagne, parlant à Moïse, tout le peuple a entendu. Quand le Seigneur était sur la montagne, il a dit: heureux, béni, les pauvres en esprit. Alléluia. Amen. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Quand le Seigneur accomplit l'histoire, il y a une attraction. Il y a des choses qui se passent. Les gens ne restent pas insensibles. Non. Quelque chose se passe. Pourquoi? Dieu fait l'histoire. Nous étions ici samedi. Il y a un homme qui passait. Il est dans centre missionnaire, dans centre évangélique. Il passait. Il allait au Gabon. Mais hier il passait. Mais il y a eu une attraction. Et qu'est-ce qu'il a attiré? Cette parcelle est comme toutes les autres. D'ailleurs, elle est inachevée. Écoute, s'il est invité. Les briques que je vois ne sont pas jointes par le mortier, mais sont posées l'une sur l'autre. Mais qu'est-ce qu'il a attiré? Il est entré, il s'est assis. Qu'a-t-il rencontré? Dieu faisant l'histoire. Mais lui, qu'a-t-il vu? Ces hommes qui parlaient. S'il a compris, heureux est-il. S'il n'a pas compris, nous croyons que la semence est tombée. Ou que tu veilles, si la semence est la vraie semence, et que la terre est la bonne terre, la semence produit d'elle-même. Alléluia. Amen. Le nuque éthiopien n'a croisé Philippe qu'une fois. Un homme riche, il rentrait de Jérusalem et il allait en Éthiopie. Un ministre. Un homme riche. Puis il voit un homme au bord de la route. Il était attiré. Quelle est cette attraction? Bien-aimé, qu'est-ce qui vous attire? Dieu faisant l'histoire. Le luxe s'est arrêté. Il a dit à son chauffeur: arrête-toi. Il a dit à Philippe: bon. Mais Philippe était peut-être sale. Philippe était un peu sale. Parce que c'était un pauvre. Mais t'as l'air pas là. Et Philippe monte et trouve le nuque en train de lui. Et le nuque lui, et Philippe lui dit. Et Philippe a le bien. Tengele te bakamba yo.
Même nous les prédicateurs, il faut qu'on nous guide. Et comme il faut qu'on nous guide, Dieu a envoyé le serviteur fidèle et prudent. Sinon, comme tous les autres, nous serions dans la brousse des Branhamites. Pressant les tonnerres et disant que Branham est Dieu. Il est le fils de l'homme. Et toutes ces sottises qui s'accomplissent. Mais comme Dieu est Dieu, il a envoyé le serviteur fidèle et prudent pour que nous soyons enseignés. Et dans la parole parlée à la semence originelle, il dit personne ne peut servir Dieu correctement. À moins qu'un homme envoyé de Dieu interprète pour lui fidèlement la parole. Alors, au moment de la reconstruction, Ezra est monté, il a lu le livre devant tout le monde, il a expliqué à ses frères, et ses frères ont pris. Ce qui était au commencement, ce que nous avons entendu, et ce que nous vous annonçons, afin que nous soyons mutuellement en communion. Et notre communion, elle est avec le Père et avec le Fils. Mais, baissez le Fils. De peur que dans sa colère, il vous frappe. Ne baisez pas le Père. Adorez le Père. Mais baisez le Fils. Pourquoi? Dieu l'a dit. Si Dieu n'était pas devenu homme, si Dieu n'était pas devenu Fils, il ne serait jamais Père. Et s'il n'était pas père, nous n'aurions jamais pu être des fils. Dieu a dû devenir fils pour être rédempteur. Bien aimé, quand nous verrons ces choses déployées pleinement devant nous, nous nous souvenons de Paul qui dit Galatia. Vous aux yeux de qui? Christ a été peint. Christ a été comme crucifié. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qui vous a ensorcelé? Qui vous a empêché de courir? Vous qui couriez si bien. Bien. Avez-vous entendu? Ne t'arrête pas. Vous couriez bien. Qui vous a empêché de courir? Non, Galatia. Reprenons la marche. Reprenons la main. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est capital. C'est important. Si vous avez encore devant vous un homme autre que Jésus-Christ, Christ, c'est une idole. Tout ce qu'il y a entre vous et Christ, c'est une idole. Si c'est une assemblée, idole. Ekeko. Prédicateur, Montaigne, idole, Ekeko. Messager, Montindami, idole, Ezeli Ekeko. Tout, Nyonso, idole, Ekeko Ekeko. Don, Makabo, idole, Ekeko. Miracle, Dikamo, idole, Ekeko. Ministère, Mosala Mote, idole, Ekeko. Argent, Mosala, idole, Ekeko. Bénédiction, Mapamoli. Même si ce qu'il y a entre vous et Dieu, trouve dans la Bible, c'est quand même une idole. Parce que ce qui est dans la Bible n'est pas fait pour se tenir entre vous et lui. C'est pour vous aider à aller à lui. Dieu est merveilleux. Et nous aimons la loi. Les hommes ne nous comprennent pas. Mais nous, nous aimons la loi. Galates 3. La loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Si la loi n'était pas là, je n'aurais pas connu Christ.
Comment l'aurais-je connu? J'aurais pas eu besoin de lui. La loi est venue. Elle m'a montré comment je suis coupable. Et la loi m'a dit. Mais regarde, il y en a un là. Comment s'appelle-t-il? Le bouc expiatoire. Comment s'appelle-t-il? Azazel. Azazel. Là, comment s'appelle-t-il? L'agneau de Dieu. Là, comment s'appelle-t-il? L'hysop. Là, comment s'appelle-t-il? Le cèdre. Là, comment s'appelle-t-il? Le bélier. Là, comment s'appelle-t-il? L'ange. Là, comment s'appelle-t-il? Le consolateur. Là, comment s'appelle-t-il? L'avocat. Et là, comment s'appelle-t-il? Le souverain sacrificateur. Et là, comment s'appelle-t-il? Le fils de l'homme. Et là, comment s'appelle-t-il? Le fils de Dieu. Et là, comment s'appelle-t-il? Le fils de David. Et là, comment s'appelle-t-il? Le fils d'Abraham. Et là, comment s'appelle-t-il? Jéhovah Jiré. Et là, comment s'appelle-t-il? Elle est lion. Mais qui est-il? Jésus-Christ. Sans la loi. Sans la loi, je n'aurais pas connu ça. Sans la loi, je n'aurais pas connu ça. Alors la loi dit à Aaron, quand le peuple aura péché, le jour de la fête d'expiation, tu vas d'abord faire un sacrifice avec le taureau expiatoire. Pour toi, pour la yo. Tu vas prendre son sang. Okozama kila na ye. Tu l'offres pour toi. Okosala mo pour la yo. Parce que celui qui fait l'expiation pour le peuple doit être lui-même sans faute. Mais toi, tu as des fautes. Alors tu prends le taureau, tu l'offres pour toi. Et tu prends le sang, tu l'asperges 7 fois sur l'autel. Ça représente les 7 âges de l'église pendant lesquels le sang est sur l'autel. Pour le sacrificateur et pour le peuple. Amen. Est-ce que nous comprenons très bien? C'est très 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 important. Les hommes aiment les prophètes. Les prophètes prennent la parole qui vient de Dieu et viennent dire au peuple: ainsi dit le Seigneur. Mais pour que le peuple soit agréable, il faut qu'il y ait le souverain sacrificateur qui lui se tient devant le peuple et prend les péchés du peuple et entre avec dans la présence de Dieu. Le sacrificateur est capital. Sans sacrificateur, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alors le livre d'Hébreux dit, si la sacrificature lévitique avait pu rendre parfait, il n'y aurait pas eu besoin de changement de sacrificature. Il y a eu changement de loi quand il y a eu changement de sacrificature. C'est là que nos bien-aimés ne comprennent pas. Ils croient que quand il y a eu changement de loi, il y a eu changement de sacrifice. Non. Il y a d'abord eu changement de sacrifice. Et ensuite, il y a eu changement de loi. Oui. Parce que la loi de Moïse reposait sur la sacrificature d'Aaron. S'il n'y avait pas de sacrificature d'Aaron, pas besoin de loi. Sinon, tout le peuple mourrait. C'est pour ça qu'Aaron devait faire un sacrifice pour lui. Et puis, on a mené 2 boucs. Pas 2 agneaux. Deux boucs. Ce que nous étions. Des boucs. Pêcheurs. Basumuki. Pâle. Alors, on prenait les 2 boucs. Puis on jetait le sang.
Et l'un, Femoko, portait le nom d'Azazel. Avec la combo d'Azazel. Et l'autre, Femosutu, devenait le bouc expiatoire. Alors le bouc expiatoire, on le prenait. Oui, Femoko. La gorge, et on prenait son sang et on aspergeait sur l'autel pour le péché du peuple. Puis Aaron revenait et il mettait les mains sur Azazel et puis il laissait tout le fardeau du péché du peuple que lui avait pris. Vous entendez? Il le mettait sur Azazel et on prenait Azazel. On allait le lâcher dans le désert. Dans le désert. Là où il n'y a pas d'eau. Est-ce que vous comprenez? Et là, Azazel courait dans le désert. Mais comme il n'y avait pas d'eau, Azazel devenait fou. Et puis il mourait loin. Le bouc Azazel. Taba Azazel. Alors Dieu a pris deux boucs expiatoires. Mais ces deux boucs expiatoires, il les a appelés l'agneau de Dieu. Pourquoi l'agneau? Parce que pour sortir d'Égypte, il fallait un agneau. Mais pour l'expiation du péché, il fallait deux boucs. Alléluia. Amen. Alors il prenait les deux boucs. Mais il fallait un sacrificateur. Alors le Seigneur est d'abord devenu le premier bouc. Le bouc expiatoire. On l'a tranché la gorge. Il est mort. Mais il est mort pour que son sang soit porté dans le sein des saints. Oui, il est devenu. En même temps, il est devenu Azazel. Il a porté nos péchés. C'est-à-dire qu'il a porté. Il a porté. Amen. Vous avez compris? Il est devenu Azazel. C'est-à-dire qu'il a ôté nos péchés. Et comme était à Longo. Oui, il les a ôtés. Et il les a portés. Amen. Amen. Et il est devenu Azazel. Et là, en tant qu'Azazel, il est allé dans les lieux déserts. C'est-à-dire, dans le séjour des morts. Là où il n'y a pas d'eau. Alléluia. Amen. Et là, quand il est allé, au lieu que ce soit lui qui devienne fou, il a ôté nos péchés. Alors, et il les a mis sur Satan. L'auteur des péchés. Et il est ressorti. Triomphant. Il s'est vaincu la mort. Et le séjour des morts. Alléluia. Et après, il est devenu le souverain sacrificateur. Il a pris le sang du bouc expiatoire. Il est entré dans le sein des saints. Il a fait l'expiation pour nos péchés. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? Alors la Bible dit, Jésus qui est apparu la première fois, pour ôter nos péchés, paraîtra une seconde fois, cette fois sans péché. Parce que le péché est rentré dans son propriétaire original, qui lui-même est devenu fou. Ah oui, ce n'est pas nous qui devenons fous à sa place. Il a pris nos péchés et nous sommes calmes. Alléluia. Amen. Si ce n'était la loi, aurais-je connu cela? Voilà pourquoi j'aime la loi. Tu ne voleras pas. Amen. Amen. Tu ne tueras pas. Amen. Amen. Tu ne commettras pas adultère. Amen. Et puis je regarde. Et je dis, Seigneur, je ne suis pas coupable.
Je ne suis pas digne. Puis il me dit, j'ai ôté tes péchés. Dis Seigneur, tu les as ôtés. Mais tu sais que, il dit, j'ai fait l'expiation. Dis Seigneur, oui, tu as fait l'expiation. Mais tu sais que, il dit, bon, je reviens en toi. Dis oui, mais Seigneur, si tu tardes, il dit, je suis en toi. Dis mais Seigneur, j'ai quand même besoin que je te donne mon esprit. Dis Seigneur, mais malgré cela, je reviens te prendre. Dis oui, Seigneur. Dis me voici. Alléluia. Amen. Dans cet âge, il nous a dit me voici. Voyez-vous cela. Levons-nous. Il a tout fait pour toi. Il a fait tout pour toi. Il a tout fait pour moi. Il a tout fait pour nous. Il a payé le prix à maintenant. Hâte-toi. Ne tarde pas. Car le Seigneur pourra bien tout est en lui. Nous te sommes infiniment reconnaissants.
Nos cœurs ont été touchés par ton amour. Mitema bisu misimba makina bolingo na yo. Réalisons que nous avons du prix à payer. Kososola ke zana motuya na miso na yo. Voilà pourquoi tu as ouvert ton cœur. Tala tieno ufongoli motema na yo. Tu nous as annoncé toutes ces bonnes choses. Kosakoli biso makamonyo somalamu. Seigneur merci. Kolo merci. Pour nos cœurs que tu as ouvert à ta grâce. Kona mitema biso ufongoli angolo na yo. Nous aider Seigneur à croire. Kona kosonga biso kolo na kondima. Et demeurer ferme dans ce que nous croyons. Pe kotika langui kacha maetondimi. Seigneur le désir notre cœur. Kolo posa motema na biso. Et toi qui es l'auteur de l'œuvre à nous. Zalete yon kolo mosala kacha biso. Et tu puisses réellement l'achever. Oko kasolo kosuki sayango. Merci de nous avoir révélé. Matondo nengo fongoli biso. Par les moyens de ta parole. Nanjela iloba na yo. Jésus-Christ. Ete Jésus-Christ. Notre seul lieu de refuge. Nesika bemo ko biso ko bomba ma. Il est tout pour nous. Azanyo so po na biso. Il est ce bouc expiatoire. Azali tabo ya bolongoli masumu. En même temps ce bouc azazel. Azamba na moko tabo ya azazel. Il est notre avocat. Azali molobe ya biso. Il est notre souverain. Il est notre Rédempteur. Il est notre Dieu. Voilà pourquoi, Seigneur, du fond de notre cœur, nous te disons merci pour Jésus. Merci pour Jésus Christ. Nous a tellement aimé, Seigneur. Tu as produit l'objet de ton amour. Tu as donné ton Fils afin que nous croyions en lui et que nous ne périssions plus et que nous ayons la vie éternelle. Quelle joie inonde notre cœur quand nous pouvons réaliser qu'il n'y a point de condamnation pour nous qui sommes en Jésus. Nous remercions Seigneur car nous avons encore appris que la même onction a été répandue sur cette terre. La même onction est répandue sur nous et nous enseigne toutes choses. Nous croyons quelle est la vérité. Toi qui pardonnes toutes nos fautes, qui guéris de toutes nos maladies. Quand Jésus-Christ fut meurtri à la croix, la Bible dit, Biblia lobi, que tout était accompli. La guérison, Seigneur, c'est déjà un acquis. Donne notre sort. Donne-lui, Seigneur, de croire qu'il a déjà été guéri par le maître de Jésus-Christ. Seigneur, fortifie-nous dans la foi. Ce n'est pas suffisant de sortir de Babylone. Mais nous voudrons, Seigneur, ne pas nous arrêter en chemin, ne pas regarder en arrière. Mais nous voudrons, Seigneur, nous réfugier dans ce lieu de refuge. Que la gloire te revienne, que la louange te revienne. Le Saint-Esprit continue à nous instruire alors que nous sommes réellement dans l'attente. Alors nous réalisons, Seigneur, que d'un moment à l'autre, tout peut arriver. Merci pour cet âge qui est tellement mauvais et nous a fait comprendre que c'est un âge glorieux car nous sommes l'achèvement de ton nom. Que la gloire te revienne, que la louange te revienne, pourvoie tous nos besoins. Que nous avons besoin de son colo. Seigneur, oui, Nkolo, nous y attendons pour ta gloire, pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.